Je vous retrouve dans ce tirage numéro 2 pour aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai proposé dans la série de Monique Villemain, je procède de la même façon aujourd'hui avec son époux Albert. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde et je vous propose ce tirage complémentaire pour ceux qui préfèrent un autre sujet. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de Claude François. Sans plus attendre, on va découvrir le jeu qui lui est réservé. Donc on va découvrir un petit peu plus sur l'artiste. J'ai fait également un tirage pour la coupe de ce jeu. Alors tout de suite on nous parle du bâton. On nous parle d'une relation donc avec ce 3 de bâton qui est liée au projet en pleine expansion. C'est une personne qui était visionnaire. On nous parle vraiment de quelqu'un qui savait planifier les choses, qui avait vraiment un bon instinct sur ce qui pouvait fonctionner et être novateur dans son domaine. Alors ici, avec le 2 de denier qui arrive dans la carte de la force qu'avait Claude François, on nous dit qu'il était multitâche, que c'était une personne qui était... on parle d'adaptabilité, mais je pense pas que ce soit le mot qui soit adapté à son caractère. On me dit vraiment que c'est quelqu'un qui avait une espèce d'hyperactivité qui le rendait très performant. Par contre, en faiblesse, on nous parle du 7 de coupe. Et là, le 7 de coupe nous indique que son tempérament, eh bien, était trop lié à l'illusion. C'est une personne qui était tellement créative, en fait, qu'il vivait totalement dans un monde à part. Il avait vraiment autour de lui une fuite de la réalité. Hein. C'est quelqu'un qui n'aimait pas forcément le monde dans lequel il vivait. Et c'est une personne également qui avait du mal, visiblement, à faire des choix. On nous parle ensuite du mat. Donc le mat ici, eh bien, c'est une carte qui nous en dit long sur lui, sur sa représentation. C'est quelqu'un qui avait envie d'un nouveau départ, qui rêvait d'une certaine liberté, de retrouver peut-être quelque part une sorte d'anonymat afin de pouvoir se comporter avec immaturité, originalité, être quelqu'un plutôt d'insouciant, ça lui manquait vraiment. Et enfin, le cavalier de bâton qui vient pour terminer cette explication, cette présentation, je vais dire, de la situation de Claude François, eh bien, on nous dit ici qu'il était toujours déterminé, que c'était une personne qui avait beaucoup de fougue. On nous parle de son charisme ici aussi. Hein. On nous parle vraiment de quelqu'un qui était en quête de passion, quelqu'un qui était à même de prendre des risques pour évoluer. Et la carte qui a été choisie pour la coupe, c'est la force qui arrive renversée. Alors cette force qui arrive renversée va nous expliquer qu'il y a eu de la violence avec lui. Hein. C'est une personne qui pouvait se montrer tellement impulsive qu'elle pouvait en devenir brutale. On nous parle de quelqu'un qui est vraiment impatient et qui faisait vraiment preuve de colère. On nous parle aussi d'une personne qui a tendance à la luxure ici. Ce que je vous propose, c'est de mettre cette vidéo en pause l'espace d'un instant et de compléter avec un autre jeu. Je suis restée donc avec le même jeu de cartes et j'ai procédé à un autre tirage. J'ai d'ores et déjà retourné les cartes, comme vous pouvez le voir. Donc, la première carte nous dit, avec le valet de coupe ici, que Claude François, en réalité, était une personne qui avait une certaine sensibilité. C'est quelqu'un qui avait un éveil intérieur, avait une grande créativité. Et pour le peu que l'on en sache, en tout cas ce qu'on le dit ici, c'est qu'il est possible qu'il ait commencé à ce moment-là une nouvelle relation sentimentale. Nous avons le 4 de bâton qui arrive retourné ici, qui suit donc cette première information. Et ce 4 de bâton retourné nous apprend qu'il avait très peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui avait vécu une rupture qui l'a marqué et qui ne voulait pas s'engager dans de fausses promesses. Donc il y avait une certaine peur de l'engagement pour lui quand même. Hein. D'ailleurs, le 7 de bâton qui arrive par la suite nous parle de courage, de détermination face à une certaine adversité.
On nous dit ici que Claude François, en fait, était une personne qui était plutôt résistante, qui savait s'affirmer, qui avait tellement de caractère qu'elle n'avait pas besoin de faire preuve de force physique pour désarçonner. Avec le 5 de bâton retourné, qui vient de suite, eh bien, nous avons une notion de tension apaisée autour de lui. Il y avait, semble-t-il, un regain au niveau de son équipe, au niveau de ses partenaires. Peut-être qu'une discussion avait eu lieu et les choses, en tout cas, semblaient s'apaiser et la coopération semblait revenir autour de lui. Donc là, on est vraiment dans les derniers jours hein, de sa vie. Et donc, nous avons la papesse qui atterrit ici et qui nous annonce, avec sa position à l'envers, qu'il y a eu des révélations et que cela l'a fortement intrigué. Il a appris des choses qui l'ont rendu vraiment impatient. C'est quelqu'un qui était plutôt seul en réalité, bien qu'entouré de beaucoup de monde, et qui vivait quand même dans une situation d'ignorance. C'est comme si on lui avait menti pendant plusieurs années sur une situation qui le concernait et qu'il avait fini par apprendre quelque chose de tout ça. Je ne sais pas s'il enquêtait sur ses origines ou en tout cas, il a eu des nouvelles par rapport à ça. Nous avons la reine de deniers. Cette reine arrive renversée et nous parle de sa notion du matérialisme. On nous dit vraiment que c'était une personne très carriériste, qu'il était plutôt égoïste et qu'il faisait preuve d'excès dans ses dépenses. Le cavalier de deniers, qui lui aussi est renversé, nous parle plutôt de son inconstance. On nous dit que c'est une personne qui pouvait être irresponsable parfois et qui du coup pouvait passer par moments pour une personne qui avait une certaine paresse. Alors je suis étonnée hein, parce que nous on a la vision d'un bonhomme qui bougeait sans arrêt. Pour les personnes érudites, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, j'en profite. N'hésitez pas et je vous remercie par avance si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne. Donc c'est gratuit, entièrement gratuit. Ça me permet à moi d'augmenter ma visibilité sur YouTube, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, et ainsi donc de pouvoir remonter dans les référencements et avoir de nouveaux abonnés, que ma chaîne soit présentée. Donc si vous aimez ce que je vous propose comme contenu, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant et je vous remercie vraiment par avance. Donc je vous disais ici, on arrive sur le cavalier de bâton. Donc on a quand même beaucoup de cartes renversées hein, ici. On n'est pas sur des situations faciles. Hein. Il était empreint de colère. C'est une personne qui se montrait très souvent dispersée, impatiente et qui faisait preuve d'une grande impulsivité. Le 6 de coupe qui vient de nous compléter cette information, qui est, c'est vrai, redondante, hein, dans plusieurs cartes, on a le même style d'information le concernant, et ça nous confirme bien ce tempérament. Ici, il nous parle de la libération du passé. On nous dit qu'il a fait preuve d'un certain manque de simplicité parfois, et du coup, un manque de générosité. C'est quelqu'un qui a dû manquer dans son enfance et qui, du coup, avait peur de remanquer par la suite, et s'est enfermé avec ses biens, son argent. Voilà, on nous parle de nouveau de la force renversée, donc de la brutalité, de son impulsivité, de son impatience. Le 2 de bâton qui arrive ici, eh bien, vient exactement nous compléter cela en nous disant qu'il avait une planification de projet, qu'il essayait de se montrer stratège, qu'il avait envie de passer un cap. Alors, je ne sais pas s'il pensait se lancer dans le cinéma, mais en tout cas, on parle ici d'un écran, je vois un écran dans ma tête, hein. Donc le pape qui arrive pour compléter cette information nous dit ici, puisqu'il est à l'endroit, qu'il était en fait assez spirituel, qu'il avait cette envie de transmettre un savoir en fait. Hein. Pour lui, il avait envie de se comporter comme un guide auprès de ses fans. On sent vraiment qu'il avait presque un côté gourou en lui. Malgré tout, c'est quelqu'un qui était quand même pétri par la tradition et qui savait se montrer plutôt conformiste dans l'éducation. Donc c'est quelqu'un qui visiblement n'avait pas trop de patience par rapport aux choses du quotidien. Nous avons le 8 d'épée retournée, et ce 8 d'épée retournée nous parle, eh bien, que pourtant, bien qu'il n'ait peut-être pas du tout pour commencer sa vie de la meilleure des façons, eh bien, il s'est battu, toujours battu, et il a obtenu tout ce qu'il a eu parce qu'il a su dépasser ses peurs. C'est une personne qui a pris confiance en elle
et qui a su lever l'ensemble de ses freins pour réussir. Donc il a eu quand même beaucoup de mérite parce que c'est quelqu'un qui a dû se faire violence parfois. Et enfin, le 5 de coupe retourné nous parle, lui, de lâcher prise. On nous dit qu'il aurait fallu qu'il accepte ses erreurs parce qu'il avait la volonté d'aller de l'avant et d'être plus heureux dans sa vie. Mais pour ça, il aurait fallu qu'il reconnaisse ses torts. Donc voilà avec le tarot de la lumière, mon analyse concernant Claude François. Maintenant, je vais poser avec un autre jeu une question sur le dernier jour de sa vie, savoir si on peut nous en dire plus sur cette mort tragique, cet accident domestique, et voir si éventuellement Claude aurait un message à nous faire passer au travers du tarot de la Voix des âmes. Je vous retrouve immédiatement. Voilà, je vais vous présenter les cartes. Donc j'ai le calme qui vient et l'apprentissage. Ce sont les deux cartes qui me sont venues, donc je vais vous lire toutes les deux leur signification via l'entité et on va voir ce qu'on a pu vouloir nous dire ici de la part donc de Claude François, sur qui je me suis concentrée afin d'obtenir un message. Donc ici, Claude François, on nous dit: je te parle mais tu ne m'entends pas, tu as besoin de calme, tu as des besoins de moments de silence, tu as besoin de moments d'harmonie intérieure. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir les réponses que tu attends, et ce n'est pas à travers les autres que tu vas ressentir ma présence. C'est en étant en contact avec moi. Alors prends quelques moments pour créer un vrai calme intérieur et extérieur. Ce calme, je ne l'ai pas forcément connu lors de mon incarnation. Il y avait beaucoup trop de bruit à l'extérieur de moi. Je n'avais pas l'habitude de m'écouter, et cela m'aurait aidé à comprendre que toutes les réponses sont en moi. Je laissais beaucoup trop les paroles des autres prendre le pouvoir sur les miennes et sur mes pensées. Écoute-toi, sois dans le silence pour entendre ma voix et la tienne. C'est en prenant quelques instants dans cet endroit caché de tous, dans ton repère, dans ton refuge, que tu vas pouvoir avoir les réponses et les signes que tu attends. Et nous avons également, avec la carte de l'apprentissage, un autre message qui nous a été adressé, donc je vais vous lire immédiatement. Je me rends juste sur la page. Et ici, il nous dit: ma vie passée m'a appris beaucoup de choses. Je pouvais très souvent parler de façon négative et je pouvais dire que j'avais l'impression que la vie était une vraie galère. Je me vois encore râler ou avoir l'impression que tout était contre moi. Aujourd'hui, j'ai compris que ces expériences était là pour m'apprendre des choses importantes. Et j'ai aussi compris que mon âme l'avait choisi. Alors, sur l'instant, les choses pouvaient être difficiles à vivre. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans une évolution positive. Dans ma vie passée, je ressentais toujours cette fatigue et j'avais l'impression qu'elle m'empêchait de réaliser des choses importantes. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une dualité intérieure et un refus de ma part de faire confiance à la vie. Je ne regrette rien. Tout ce que j'ai vécu était des choix, mais une chose est sûre, je ferai d'une façon différente lors de ma prochaine vie. Sois toi-même dans cette énergie d'apprentissage. Aie confiance dans tout ce que tu es capable de faire. Tu es un être extraordinaire. Voilà le message avec ces deux cartes. Allez, c'est parti pour le jeu de haut. Sur le dernier jour de sa vie. Donc il y a eu des ressentiments ce jour-là. Hein. Il n'allait pas bien. Ce jour-là, il y avait quand même de la colère en lui. Par rapport à des écrits, courriers, articles de presse, quelque chose qui n'allait pas. Ah, par rapport peut-être à quelqu'un à qui il aurait donné alors du temps, de la confiance, peut-être oui, de la confiance, une relation. Lutte de pouvoir dans l'obscurité. La menace avec le diable. Auto-saboteur, tiens donc, avec la trahison. Devoir à faire la manche. Bon, il semble clairement qu'on ne nous ait pas dit la vérité sur le décès de Claude François ici. Hein. Alors, on peut nous dire que... Alors, peut-être qu'il est mort hein, d'un accident, ok.
Par contre, autour de lui, il y avait des choses qui n'allaient absolument plus. On nous parle vraiment de personnes autour de lui qui avaient une très mauvaise influence. C'était pas vraiment médiatisé et je sais pas s'il était au courant de tout, mais en tout cas, il y a des choses qui se sont tramées à son encontre. Et c'est une personne qui était clairement menacée, hein. C'est pas des gens qui se cachaient derrière des apparences ou il a subi des menaces très importantes. Moi, je pense qu'il a été sujet à un regret. J'ai l'impression que c'est comme s'il avait voulu s'extraire de quelque chose et qu'on lui ait dit il en est hors de question. Pour moi, ici, dans l'auto-sabotage, on pourrait nous parler de son accident. C'est une mort un petit peu idiote, si je peux me permettre, mais c'est comme toutes les morts d'accidents domestiques, hein. Mais on nous montre ici clairement une trahison dans cet auto-sabotage. Et j'ai bien peur qu'il ait fait rentrer quelqu'un qui ne l'ait aidé dans son suicide. Pour moi, il y a une notion d'argent. Alors, est-ce qu'il vivait au-dessus de ses moyens, Claude? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, il y a eu quelque chose de l'ordre de tu nous dois quelque chose. Je vais recouvrir. Donc là, on a les apparences, enfin l'apparence, le partage, l'humiliation, la stupidité, la douleur et merveilleux. Alors, apparence. Alors ici, en fait, on a manigancé, hein. On a donné l'apparence que tout était bien calculé. Effectivement, tout est crédible dans cet accident, mais malheureusement, pour moi en tout cas, c'est des apparences qui sont scientifiques, c'est-à-dire qu'on a placé les choses au bon endroit. Qu'est-ce qu'il y avait sur le partage? Eh bien, des choses qui se recentraient. Alors, est-ce qu'il allait dire des choses? C'est possible. Humiliation et les chemins qui se séparent. Donc, je pense ici que si on considère qu'il allait partager des choses, que les choses se resserraient, se recentraient sur lui, eh bien, ici, il y a une autre personne qui s'est sentie humiliée de ce qui allait sortir. Leurs chemins se séparaient ici. Donc, je pense qu'une personne s'est sentie vraiment menacée par les révélations ou l'attitude de Claude François. Alors, on nous dit qu'il a été un peu dommage pour cette situation d'avoir été silente. Mais également, on nous parle d'attachement et de douleur, de séquestration. On nous parle peut-être du fait qu'il n'était pas si seul que ça à son domicile à ce moment-là. Pour moi, il y a vraiment comme si là, il y avait une séquestration, une douleur attachée. Voilà. Et sur le merveilleux, eh bien, j'ai le coup de marteau et la violence. Donc ici, on confirme que pour moi, hein, vraiment, il n'était pas seul chez lui. Il a pensé être bien entouré et ce n'était pas le cas. Je vais essayer d'en savoir plus. Je range ce jeu-là. Je vais vous proposer de regarder avec le jeu de... J'hésite. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Je crois que je vais en faire plusieurs parce que là, eh bien, je suis très étonnée de toutes ces réponses, n'est-ce pas? Donc je reviens avec vous avec un prochain jeu, je ne sais pas encore lequel. Donc pour Claude François ici, qui est représenté par la carte du consultant, on va regarder ce qui l'entourait donc avant son décès. Il y a une visite. Ça me le dit d'ores et déjà, vous voyez. Donc c'est effectivement ça. Hein. Pour moi, il n'était pas seul du tout ce jour-là. Je ne sais pas comment ça a été présenté. Je ne sais pas du tout comment ça a été dit, mais en tout cas pour moi, il n'était pas seul et c'était vraiment. Il y a eu un manque de fiabilité de la personne qui l'entourait. Alors peut-être que cette personne n'est pas venue, mais il attendait quelqu'un. Il y avait vraiment quelque chose avec une personne à faire. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui n'était pas fiable et qui, s'il est venu, a pris du temps, du retard. C'était une visite qui était porteuse de faux espoirs en fait, hein. C'était plutôt un rendez-vous dans la séduction. Et on nous parle également du billet doux qui arrive retourné ici et qui est représenté par l'as de cœur. Et en arrivant à l'envers, on nous dit qu'il attendait une certaine réconciliation et qu'il a été déçu à ce niveau-là, en fait. Il attendait le pardon de quelqu'un ce jour-là, semble-t-il.
D'ailleurs, on me dit après, donc il y avait la réconciliation qui devait arriver et qui arrive ici renversée. Et cette réconciliation renversée nous indique que la négociation a été très compliquée avec cette personne. Ils se retrouvaient vraiment dans une sorte d'impasse. Ils auraient eu besoin d'avoir une tierce personne qui intervienne et qui les aide. On nous parle de la maison de campagne, donc on retourne sur du cœur ici. Et cette maison ici symbolise complètement le besoin d'un éloignement géographique, de se retrouver en tranquillité en province. Peut-être qu'il était en partance pour son moulin ou son château, je ne sais plus. En tout cas, il avait besoin d'une coupure. Et là, nous avons la partie inconsciente ici et la partie consciente de Claude François ce jour-là. Et donc, son inconscient nous fait part d'un amour renversé. D'un amour. Non, vraiment d'attente. Pardon, d'attente renversée. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot qui m'est venu, ça doit avoir son importance. Et on me parle donc ici, dans son inconscient, d'invitation, de soulagement, de quelque chose qui était plutôt positif. Et dans son conscient, à l'inverse, on nous parle ici de... je vous montre la carte. En fait, c'est l'inconstance qui arrive retournée. Hein, donc, on est sur du pic ici. Et donc, dans son conscient, eh bien, il savait qu'il était obligé de faire une reprise en main et qu'il avait besoin d'une certaine autodiscipline. Donc, autour de lui, ce jour-là, il semble qu'il n'était peut-être pas si seul. Malgré tout, on nous parle bien d'un accident et non pas d'un meurtre ou quelque chose comme ça. Par contre, on nous dit qu'il n'était pas tout à fait lui-même et qu'il avait vraiment la tête ailleurs. Il était très préoccupé ce jour-là. Je vous propose un dernier tirage avec un autre jeu afin de pouvoir essayer d'avoir encore plus de renseignements, de pouvoir être certain qu'il s'agit bien d'un accident et pas d'autre chose. Je vais prendre le tarot des oppositions et je vais le lire à ma façon. Je reviens immédiatement. Me revoici. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Et nous allons regarder ici s'il s'agit vraiment d'un accident. J'ai posé la question ainsi. D'accord. Alors, afin d'être un petit peu plus clair dans mes explications, je vais procéder carte par carte afin d'apporter un message pour chacune d'entre elles et je ferai une analyse globale en fait de ce tirage sur la fin. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me déposer sur mon Instagram. Je serais ravie de pouvoir discuter avec vous, échanger, que ce soit sur des jeux que j'utilise ou sur des sujets éventuellement. N'hésitez pas, je suis disponible et contente de pouvoir vous rencontrer virtuellement. Ici, nous avons un roi qui apparaît renversé. Donc, on apprend avec cette carte qu'il y a eu vraiment ce jour-là un gros manque de réflexion, un manque de maturité. On nous dit que Claude François s'est montré un peu trop impulsif ce jour-là et qu'il a été trop confiant en, du coup, faisant cette manipulation certainement. Alors, on nous dit que ça ne veut pas dire que c'était que le résultat de sa personnalité était toujours négatif, mais il a payé le prix de ses excès. Je pense que son attitude lors de cet accident était certainement récurrente. C'est quelqu'un qui avait certainement l'habitude d'agir sans mettre en place les éléments de sécurité. On nous dit qu'il a été encouragé à continuer à faire des efforts sur une attitude de dialogue, sur quelque chose d'apaisé. On lui demandait en fait d'être plus respectueux, de se montrer plus sérieux afin d'éviter les mauvaises ententes et les inimitiés autour de lui. Donc, il est possible que ce jour-là, il ait eu une conversation qui l'ait contrarié et qui l'ait poussé à agir contre, eh bien, sans mettre en place la moindre règle de sécurité et en mourant d'une électrocution un petit peu bête. Nous avons après le 6 de coupe. Alors, cette fois-ci, nous sommes dans une carte qui sort dans le bon sens et on nous parle que l'avenir était brillant pour lui. On nous dit que tous les projets étaient vraiment bien partis pour se réaliser, que c'était une personne qui avait quand même beaucoup d'émotions à gérer
et qu'il ne les considérait pas forcément comme la priorité. Il les ressentait, il avait des ressentis. Je pense que c'est quelqu'un qui se faisait confiance, qui faisait confiance à son instinct, mais qui n'arrivait pas à se laisser aller avec les autres. On nous dit ici que ce jour-là, il n'a pas voulu être, semble-t-il, un poids pour quelqu'un. Il y a eu une conversation contrariante. Il avait envie de partir, hein, il avait envie de se mettre au vert, semble-t-il. C'est pas la première fois que dans ce tirage d'aujourd'hui, on me parle de ça le concernant. Donc on va voir après avec la carte qui ici représente le pendu, ce qu'on nous donne comme information pour, eh bien pour Claude François. Et là, on nous dit avec cette carte très spéciale qui arrive ici à l'endroit, que, eh bien, il y a eu quelque chose d'assez... Comment pourrais-je dire? Il a fait preuve de radinerie, voilà, je vais dire ça comme ça. Il n'a pas réagi comme quelqu'un de son rang, on me dit. Il n'avait pas à s'occuper de ça. Il semble qu'en fait, il était tellement en colère de faire les choses par lui-même qu'il ait commis une erreur. On peut voir en fait qu'il était quand même quelqu'un de très lumineux en temps normal, hein, mais qu'il avait en lui cette face aussi très obscure. Il était parfois en proie à l'angoisse et à la colère. D'ailleurs, il ne savait pas vraiment s'attacher aux personnes. C'est quelqu'un qui avait l'impression de ne pas être apte dans ses relations aux autres. Mais peut-être parce qu'il a lui-même manqué de cette affection, il n'a pas su la donner correctement autour de lui. On me dit que ses proches ont quand même beaucoup souffert à ses côtés. Hein. Donc visiblement, c'est quelqu'un qui était très très dur. Ça ne veut pas dire qu'il était méchant, mais dur. Ici, nous avons le roi qui apparaît et on nous dit qu'il a été à l'origine de tout. C'est vraiment aujourd'hui la réponse qu'on nous donne, c'est bien un accident. Hein. C'est vraiment lui qui est à l'origine de tout. Et ici, on nous dit qu'il n'a pas réfléchi à toutes les possibilités qui l'entouraient, que c'est quelqu'un qui s'est montré toujours plus attentif aux situations des autres qu'aux siennes. Il ne s'intéressait pas, il ne se questionnait pas beaucoup sur le danger qui pouvait l'entourer. C'est comme si il se sentait un peu immortel. J'ai cette sensation de vouloir protéger les gens, mais de ne jamais penser à lui, parce que pour lui, finalement, c'était... Oui, pratiquement un immortel. Comme si rien ne pouvait lui arriver, qu'il pensait avoir cette protection-là jusqu'au bout, et que du coup, son énergie était plutôt concentrée, semble-t-il, sur les gens qui lui étaient proches, alors famille, amis, conquête, ça je ne sais pas, mais pour les gens qui formaient son quotidien. Donc après, on a cette reine qui arrive. Alors ici, c'est une reine qui arrive retournée, hein, donc on nous dit qu'il y a eu vraiment un problème. Qui n'a pas été résolu et c'était toujours un problème émotionnel ici. Hein. On nous dit de nouveau qu'il a été un petit peu ennuyé, qu'il ne savait plus comment faire un choix. On nous parle d'une situation qui aurait requis plus de rationalité, une attitude plus zen. On nous parle de quelqu'un qui aurait dû vraiment prendre du recul et qui était quand même entouré de beaucoup d'ennemis, des gens qui... En fait, l'observait et se cachait derrière des faux sourires, des faux semblants. Il n'était pas du tout entouré de personnes fiables. Et nous avons le page qui arrive derrière et qui nous dit ici de nouveau de manière négative, hein, qu'il n'y avait pas de stabilité autour de lui. On lui a demandé de se calmer, de s'arrêter, de ralentir le rythme, d'être plus calme. On lui a dit que d'évacuer en fait tout ça par la parole aurait pu l'aider. Il a vécu ça comme une agression. C'est quelqu'un qui n'était pas très fort pour rester maître de ses émotions. Et visiblement, eh bien, ce jour-là, une conversation l'a vraiment contrarié. Et je pense qu'il a été un petit peu tellement contrarié qu'il en a oublié en fait de faire attention à ce qu'il était en train de faire. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Claude François. J'espère que ce tirage vous aura intéressé. Et pour tous ceux qui n'étaient pas très intéressés par l'affaire Grégory, eh bien vous aurez trouvé ici un moyen de passer un bon moment.
En tout cas, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Je suis vraiment extrêmement touchée par votre présence. Je ne le dirai jamais assez. Je suis ravie de faire part ici de tous ces sujets qui m'intéressent et aussi de recevoir vos propositions parce que c'est génial de pouvoir accéder à vos demandes et puis participer, pourquoi pas, à ma façon, à une analyse sociétale des choses ou parfois plus des sujets un petit peu liés à l'actualité des stars. C'est très varié et vraiment merci encore. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.